inhabituel d'ouvrir une saison d'opéra avec une œuvre légère. Mais j'ai l'impression que l'Opéra de Paris va aussi faire une veuve joyeuse très anticipée cette année. On voulait célébrer l'arrivée de cette nouvelle ligne de train, le rapprochement entre Bordeaux et Paris. Et le seul opéra qui se passe vraiment en gare, pendant un acte, c'est La Vie parisienne. Première chose. Deuxièmement, je pense qu'Offenbach, c'est un génie de la musique légère, mais aussi de la musique romantique avec les Contes d'Hoffmann, avec Fantasio qu'on a découvert récemment, et qu'il mérite justement d'ouvrir une saison comme ça. Et en plus, une belle vie parisienne, il n'y en a pas eu depuis longtemps. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc c'était une occasion qui s'imposait un petit peu naturellement. Vincent Huguet, le metteur en scène, s'est précipité sur cette idée. Et on a toute une brochette de jeunes chanteurs extrêmement vivants et justes. Et c'est aussi l'occasion que pour le ballet de l'Opéra de Bordeaux de participer à cette production avec Kader Atou, chorégraphe du Centre National de La Rochelle, et de faire un peu une fête. Moi, l'opéra, j'aime bien travailler avec des metteurs en scène qui sont audacieux, qui respectent le livret, respectent bien sûr la partition, et en même temps qui ont une vraie identité, une vraie personnalité. Et donc, que ce soit dans un contexte d'époque, de l'œuvre, ou un contexte moderne, on collabore ensemble, on discute, et encore plus quand je suis le directeur de l'opéra, j'essaie de ne pas faire trop de pression. Vincent Huguet a choisi un Paris d'aujourd'hui. Et on peut faire des Offenbach à toutes les époques. Mais j'ai trouvé cette proposition tout à fait séduisante. C'est un orchestre qui doit donner beaucoup d'attaques, de petites gifles comme ça, de réponses aux chanteurs et d'être toujours sur un pétillement. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on travaille avant tout. Mais les musiciens de l'opéra aiment beaucoup, ça s'entend, aiment beaucoup ce côté léger et chantant. La vie parisienne, c'est vraiment un ouvrage collectif. Il y a plein de premiers rôles, en fait. Et donc là, ce qui est passionnant, c'est qu'on a des gens de toutes les générations, de tous les types. On a le baron et la baronne, qui sont des chanteurs qui font carrière dans des rôles assez lyriques. Marc Barrard, un magnifique baryton, magnifique golo. Qui a une noblesse et un humour tout à fait savoureux pour ce rôle. Aude Extrémo, qui est un rôle assez court, la baronne finalement, qui est une mezzo extrêmement royale, et qui imprime comme ça, avec sa noblesse, ce rôle, et le rend tout d'un coup très, très, très intéressant. On a des chanteurs, moi, ça me fait très plaisir aussi, qui sont résidents à Bordeaux. Aux extrêmes, on fait partie. Marie-Adeline Henry, merveilleuse Métella, qui a cultivé un peu le parler-chanter à la Suzy Delair ou à la Yvette Guilbert, qui est si important pour ce répertoire. Deux jeunes ténors qui sont merveilleux, Philippe Talbot, Enguerrand de Hisse, qui sont Bobinet et Raoul de Gardefeu. Non, on a beaucoup de gens. On a Pauline qui est Harmonie des Champs, une jeune soprano française magnifique. On a Jean-Paul Fouché-Court, qui j'ai fait tellement de productions et qui vient apporter aussi son expérience et son style et son élégance à tout cela. On a donc un comédien qui est Aubert Fenois, qui fait le rôle de Urbain. Vous l'avez vu dans Marguerite avec Catherine Fraud, où il joue le rôle de ce personnage à lorgnon. Vous l'avez vu aussi dans la Môme.
avec Marion Cotillard, où il joue un jeune soldat qui vient chanter une chanson à Edith Piaf, comme ça. Il y a plein de personnalités différentes, il y a plein de gens aussi du chœur qui ont des petits rôles. Il y a de tout là-dedans. Tout le monde a le premier rôle. J'en dois en oublier quelques-uns, qui m'excusent. Les opéras contemporains sont difficiles à sélectionner. Trouver des œuvres qui parlent au public, qui sont élaborées, mais quand même accessibles, c'est toujours un pari. Les Américains le font très bien, John Adams notamment. Mais c'est vrai que Philippe Mosman, ça a déjà fait beaucoup de preuves là, sur ce sujet. Et quand je suis allé à Aix-en-Provence, j'ai vu aussi cette magnifique mise en scène de Joël Pommerat. Avec mes collègues de l'Opéra, on s'est dit qu'on avait vraiment eu une grande chance, une main chanceuse de s'être associé à eux pour cette création, parce que c'est vraiment magnifique, c'est extrêmement poétique et c'est une musique d'aujourd'hui, élaborée, quelquefois compliquée, mais en même temps extrêmement accessible, un sujet que tout le monde connaît. Et puis voilà, on a un maître d'œuvre sur scène, Joël Pommerat, qui a fait un travail superbe. On est très fiers. Le travail avec Marc Minkowski, c'est d'abord très joyeux, et je pense que c'est un peu différent du travail avec un chef traditionnel, parce qu'il est à la fois chef et en même temps aussi directeur de cet opéra. Ça veut dire qu'il aime mettre la main à la pâte dans la préparation, donc il suit, je pense, beaucoup plus toute l'élaboration du projet, des costumes, des décors en amont. Ce que ferait pas un chef d'orchestre traditionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui serait seulement chef et qui lui arrive au début des répétitions et découvre à peu près tout ce que l'équipe a préparé en amont. Alors que lui, évidemment, il est beaucoup plus en amont avec nous sur la préparation. Voilà. Ensuite, la collaboration avec Marc Minkowski, elle est, dans le cadre de ce projet, elle est particulièrement précieuse aussi, parce que c'est un chef qui connaît très très bien Offenbach, qui a beaucoup dirigé Offenbach. Étrangement, il n'avait pas fait La vie parisienne avant, mais il a fait tous les grandes autres œuvres d'Offenbach. Moi, j'en ai jamais mis en scène, et donc c'est évidemment un grand plaisir, parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui vous présentait un ami qui connaît depuis très longtemps et dont il connaît à la fois les qualités et les défauts. Marc, il a ce rapport-là un peu avec Offenbach. Je pense que Offenbach, c'est un monde à part. On aime ou on n'aime pas. Moi, je ne connaissais pas très bien, j'aime beaucoup. Mais je pense que pour beaucoup de gens, Offenbach, ça reste de l'opérette, de l'opéra bouffe, quelque chose de très léger. Donc moi, les grands metteurs en scène auprès de qui j'ai appris ce métier, Patrice Chéreau ou Peter Sellars, ce n'est pas tellement leur répertoire. En tout cas, Patrice Chéreau, ce n'était pas du tout son répertoire. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une chose plus éloignée de ce que lui faisait, qui était un répertoire beaucoup plus, disons, imposant. Wagner, Strauss, Mozart à la limite, mais déjà, il n'aimait pas ça. Donc je crois que c'était très loin de lui. Et Peter Sellars, c'est un homme qui est toujours très surprenant, et c'est pour ça que je l'aime énormément aussi. Et quand je lui ai dit que je faisais La vie parisienne à Bordeaux, il était ravi, et lui, il pense que c'est encore mieux que Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, de Courteval et de Brecht, ce qui est un rapprochement qu'on ne fait pas souvent, mais qui est très intéressant, et ça veut dire qu'on peut prendre l'œuvre aussi très au sérieux. Oui, il y a beaucoup de scènes dans La vie parisienne qui sont assez redoutables et même peut-être intimidantes pour un metteur en scène, parce que tout d'abord ça va à toute vitesse, et c'est tellement bien écrit, c'est tellement de la musique de tube comme ça, c'est tellement, on a l'impression que ces personnages existent tellement, une Gantière, un Bottier, un Brésilien, que
parfois, ils existent tellement qu'on ne sait plus tellement quoi leur apporter, tellement ça leur... Donc, c'est intimidant. Et en même temps, je crois que ce qui est génial, c'est que dès qu'on s'y intéresse un peu plus longtemps, on se rend compte que ce sont aussi comme des personnages qu'on connaît presque, qui sont des types. Et surtout, je pense que ce qui est génial, c'est qu'ils étaient contemporains à l'époque d'Offenbach et qu'ils le sont encore aujourd'hui. Donc, c'est intimidant peut-être à première vue. Et puis, assez vite quand même, ça ne l'est plus tellement parce que ça sort du cadre, ça sort de l'histoire. Et ce n'est plus simplement une bottière de l'époque de Napoléon III, c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Donc, pour un metteur en scène, ça offre aussi une liberté. Mais c'est vrai qu'à première vue, elle n'est pas évidente, cette liberté. Elle arrive après. Je pense que à l'opéra comme au théâtre, d'une façon générale, ce qui se passe en dehors de la salle de répétition, en dehors de la scène, c'est toujours très important. C'est important parce que sur scène, on leur demande de faire des choses qui sont très difficiles, qui sont de l'ordre de la complicité, de l'amour, de la colère, qu'il faut que ça ait l'air vrai, tout ça. Et évidemment, parfois, on raconte toujours des histoires où des grands duos d'amour sur scène, en fait, sont incarnés par un chanteur et une chanteuse qui se haïssaient en dehors de la scène et qui s'embrassent sur scène, mais qui en dehors de ça s'aiment pas. Mais je crois que c'est déjà une forme de relation, la haine. C'est déjà qu'on s'intéresse l'un à l'autre. Donc, le pire, c'est l'indifférence, le pire. Donc, c'est toujours très important. Ça, en tant que metteur en scène, on en est assez responsable parce que c'est quand même un petit peu le metteur en scène qui crée l'ambiance dans les répétitions. Si c'est quelqu'un de très colérique ou de très malheureux, ça se ressent quand même, même si les chanteurs sont capables aussi d'apporter énormément, mais c'est vrai que ça se joue. Et je crois que dans le cas de La Vie parisienne, c'est encore plus important parce que c'est une comédie. Donc, quand on veut faire rire, il faut déjà rire ensemble, et ça, c'est une chose qui se passe en répétition, c'est-à-dire qu'une scène, quand on l'a fait la première fois, si déjà nous, on ne rit pas, c'est que ça ne marche pas, on n'est pas dans la bonne direction. Et le rire crée de la complicité, le rire crée des blocs aussi des choses. Parce que c'est très difficile de faire rire, c'est très impressionnant. Et les chanteurs, ils sont pas très habitués, même les chanteurs qui sont habitués à ce répertoire plus léger, c'est pas leur métier de faire rire. On leur a pas appris à faire rire, on leur a appris beaucoup d'autres choses, à jouer, à chanter, à faire pleurer souvent. Mais bien sûr qu'il y a toute une partie du répertoire qui est drôle, mais c'est quand même pas une chose évidente. Donc il faut se faire confiance, je crois, encore plus peut-être que pour des choses plus dramatiques ou plus... Je crois que la confiance, donc, elle se construit aussi, évidemment, pendant les répétitions et en dehors des répétitions.